Salut les amis, on se trompe pour une nouvelle vidéo, on est sur Euro Truck Simulator 2013 pour le 33e épisode de cette carrière suivie. Donc là ce qu'on va faire c'est, donc encore un poteau, super, quel début de vidéo. Ce qu'on va faire c'est acheter notre camion, donc j'ai chuté l'argent hein, comme vous avez pu voir. Donc je vais acheter notre camion. On va rouler avec. Ouais, donc cet Iveco là. Acheter. Non, je peux pas. Faut que je le visite. Oui. Donc, on va acheter le nouvel Iveco. Bon, ça fait 3-4 mises à jour, je crois. Non, peut-être 2. Allez. On va pas trop abuser non plus. Qu'il est sorti. Et je voudrais vous en faire une petite vidéo. Une. Découverte, oui, parce que je l'ai pas fait sur ma chaîne, mais vous le connaissez, je pense. On va revendre celui-là. Et. Ok. Du coup, il m'a coûté juste. Donc, on s'en fout de la cinématique. Moi, c'est moi qui va vous la faire, la cinématique. Non, je rigole. Donc, voilà, cet Iveco. Hein. Je crois que je vous en ai déjà fait la présentation dans un épisode, donc voilà, bah il est bien, donc on va rouler avec. Je vais le laisser blanc, hein, ça change du orange, hein, ça lui va bien. Juste, je vais voir s'il est au maximum ou pas dans ses chevaux. Non, on peut encore l'améliorer, donc on va le faire, hein, on va en profiter, on a les moyens pour, autant en profiter. Et puis après, on va faire des bouts de chemin avec. Tout simplement. Donc on va aller là. Voilà. On va faire entrer. Hop. On va faire ça c'est bon. Bon, on va lui mettre un châssis simple. 560. Tac. On va tout mettre à fond. On va mettre des petites lumières quand même. Pour l'habiller un petit peu, ça lui va bien ou pas? Oh oui, c'est donc ce que je vais faire, c'est mettre des trucs comme ça. On va en mettre pareil, donc comme ça. On va mettre un comme ça au milieu, voilà. Après ici, ce que je fais, c'est mettre des gyros, voilà. Ici, après, ce que je mets, c'est comme ça. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Hein, si ça vous plaît pas, vous me le dites. Hein. N'hésitez pas, je changerai. Hein. Si ça vous plaît pas, vous me dites ce que je dois changer ou pas. S'il y a trop de lumière ou pas. Mais vous allez voir que dans la nuit, après, on verra mieux. Ça sera bien. Après, est-ce que j'ai fait bien de cheater ou pas? Parce que je l'ai fait d'affilée. Hein. Pour ceux qui me demanderaient, c'est du convoyeur. Oui, mais on peut pas mettre un convoyeur, c'est ça que je comprends pas. On peut mettre une plaque, mais voilà quoi, c'est bizarre. Bon, au milieu, j'ai pas envie de mettre deux plaques au milieu, donc j'en mets pas. Supprimer, voilà. Là, on va mettre notre petite plaque. QS89, voilà, appliqué, nickel. Là, j'ai bien envie d'améliorer le pot. On met ça. Et on peut mettre un pot ou pas? Ah non, d'accord, ok. Ça lui va mieux. Voilà. Les roues, surtout, très important. Donc là, il y a les deux bavettes derrière. Ok. On va mettre ça. Et à l'arrière, on va pas mettre les mêmes. À l'arrière, on va mettre seul. On va mettre. Ouais, des comme ça. Ouais, vous me direz ce que je dois mettre les mêmes aussi. N'hésitez pas à me proposer. Hein. Surtout, n'hésitez pas à vous me proposer ce que je dois mettre. Hein. C'est pas interdit. Donc là, faut. Alors maintenant, peut-être qu'il faut que je change maintenant. Cela vaut mieux. Ouais, maintenant cela vaut mieux. Donc on va refaire pareil. Ouais, cela vaut mieux maintenant. Donc voilà.
Oui, donc maintenant on peut changer plein de trucs. Ceux-là sont bien, ceux-là sont très très bien même. Alors ici je mets cette barre là. Ah non, non, pas de barre lui. Non, ça lui va pas. Je mettais celle-là. Ah, celle-là, oui, par contre, celle-là. Non, je mettais pas celle-là. Je sais plus si je mettais laquelle en fin de compte. On va mettre celle-là. Mettre des petites lampes là. Là. Et puis. Ici, ce que je vais faire, c'est mettre ceux-là. Au milieu. Vous allez voir dans la nuit après, c'est. Il est très très beau. Une fois dans la nuit, il va être impeccable. On peut vous déjà faire un. Voilà, donc déjà, c'est déjà pas mal. Et déjà très très beau. Voilà. Donc on va le garder. Donc avec les gyros qui clignotent. Nanana. Voilà. Donc confirmez la commande. Voilà. Donc il est très très beau. Après vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Les gyros. Les gyros, les feux de route. Salut les. Donc, pardon. Donc j'ai fait une petite ellipse. Parce qu'il fallait que j'aille manger. Là on va faire les gyrophares, les feux de route. Tac et tac, voilà. Ça si je fais tac. Hop. Ok. Ok, c'est bon. Moi je vais couper. Oula. Hop, on va repasser comme ça. Hop. Là ce qu'on va faire, on va prendre une offre de frais. Menu, offre de frais. Va partir bas de l'Autriche. Hein. On va essayer d'aller un peu par là, vers Verona, tout ça. Ouais, on va essayer de faire. Voilà, jusqu'ici. Donc, bien sûr, ça sera coupé en plusieurs épisodes. Parce que, comme vous le savez, je. Donc, on fera une pause, je pense. Non, on va faire la pause maintenant. On va faire la pause maintenant. C'est ici. Tac. Hop. Je vais passer par là. Hop. Voilà. Tac. Donc c'est encore la pub, hein, désolé. Toujours la pub. Hop, on est reparti. Donc là, je vais vous faire montrer de nuit, hein, donc il fait pas tout à fait nuit, mais déjà un petit peu. Donc vous voyez déjà, ça rend déjà pas mal, pas mal de chez pas mal. Donc ce qu'on va faire, donc c'est notre petite offre de frais à faire, parce que bien sûr, vu que j'ai dormi, ça a dû disparaître. Bon bah il n'y a plus rien. Donc je vais prendre de ces vitres. Et puis de Linz on ira à Salzburg. Voilà. On fera comme ça. Donc on va essayer de tout découvrir. Donc ici normalement il n'y a pas de vendeur. Hein, on fera les vendeurs, tout ça. Donc ouais voilà, on fera les vendeurs aussi. De camions, tout ça, donc plein de choses à faire dans cette carrière suivie, hein. Donc il n'y a pas besoin de mettre les pleins phares encore, dans cette carrière suivie, donc c'est vrai que c'est pas mal, si quand on a plein de choses à faire, tout découvert, tout ça, donc de toute façon on peut pas la finir cette carrière suivie puisque c'est à l'infini, hein. Les jeux de simulation c'est à l'infini, donc après voilà. Voilà, donc on va attendre. Tranquille.
Voilà, c'est bon. Donc, quand il est tout seul, le camion, bah, ça roule vite, hein, 560 chevaux. Sans rien, sans remorque, tout simplement, ça va vite, hein. Mais une fois une remorque, bah, ça le ralentit, donc. Voili, voilou. Donc, ça, j'en ai pas besoin déjà. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Voilà, donc moi je vais prendre un rond-point. Non, je crois que c'est comme ça, c'est même sûr. C'est pas difficile. Alors, on va freiner que je puisse le prendre. Voilà. Tac. Prendre mission. Et voilà. On va prendre ses vitres. Donc on a intérêt de faire attention de ne pas les casser. Voilà. On va reculer. Ah là là, je me suis. Voilà, comme ça. Et après, je recule comme ça. Voilà. Hop, on recule, on recule. Hop. Tac. Voilà, que je la prenne quand même. Alors, on transporte des vitres 15 tonnes, donc ça va, c'est pas trop trop lourd. Destination Linz, donc on a GT. Un entrepôt FedEx. Attendu entre vendredi 21h17 et samedi 3h57. Donc là on tourne ici, ok. Temps restant 7h27. Donc temps restant 7h27. Prochaine coupure dans 10h50. Donc c'est bon. Nickel. Donc là on est parti. direction Linz, hein. Donc, on est toujours en Autriche. Ça change pas. Hop. Donc on est toujours en Autriche. Hop, on va passer par là. Surtout que c'est vert. Donc je roule à presque 100, je crois, en ville. Je vais vous dire ça tout de suite. 60. Ah non. 75, oui, bah c'est beaucoup quand même en ville. On va mettre les pleins phares, on verra déjà mieux. Hop. Surtout que j'ai des vitres alors. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc on y va tranquille, hein. Bien sûr, je ferai pas toute la mission. En vidéo, hein, enfin dans cette vidéo là, parce que c'est des petites vidéos, mais petites vidéos qui veut dire plusieurs par semaine. Donc bah cette semaine il y en aura que 3 des épisodes. Pareil pour farming, pareil pour Minecraft. Je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Après j'essaierai de reprendre mon planning comme il était. Bah, mon planning il est bien. Que j'avais fait, c'était pour les vacances. Moi, pour les vacances, je peux tenir comme ça. Parce que je l'ai fait le soir, tout ça. Et puis la journée, c'est l'ordi qui bosse. Mais pendant les cours, malheureusement, je peux pas faire ça. C'est un petit peu dommage. Mais bon. Étant donné que je rentre pas le midi chez moi, ça pose souci. Mais bon. Donc je vais essayer de vous mettre quand même du retruck et du farming pendant les semaines. Hein. Ça sera possible. Donc voilà. On va tourner là. Voilà. Et puis je trouve pour un petit youtubeur que je suis, je mets beaucoup de vidéos. Parce qu'il y en a, ils mettent une vidéo tous les 3 semaines. Je dis pas tout le monde, hein. Il y en a, ils font comme moi. Mais je parle des petits youtubeurs hein, comme moi. Et je trouve que moi je mets beaucoup de vidéos par semaine. Qu'il y en a, ils en mettent une tous les 3 semaines par exemple. Des trucs comme ça. Et bon, il y en a, ils font comme moi. Ils essaient de mettre du contenu beaucoup par semaine.
Il y en a, non. Et je trouve plus il y a de contenu et plus c'est mieux. Que c'est, vous voyez, qu'on est actif sur la chaîne, tout ça. Donc je trouve que c'est mieux. Après, chacun sa méthode, j'ai envie de dire, sa méthode de travail. Hein. Enfin, pas de travail parce que c'est pas trop un boulot. Quand on est petit youtubeur, c'est pas trop un boulot. YouTube, c'est plus un loisir. Après, ça devient un boulot. Enfin, bref, voilà, vous comprenez très très bien où je veux en venir. Donc, voili, voilou. Hop, donc là, je roule beaucoup vite. Hein. Je crois que je fais du 130, truc comme ça. Hop. Hop, non, non, pas renversé, pas renversé, pas renversé. Je voulais au moins à 130 aussi. C'est un petit peu normal que le camion se parte un petit peu en vrille. Et les vitres, vous avez vu, ils tiennent bien le choc. Hein. Ah oui, parce qu'ils sont attachés, tout ça. C'est sûr, ok. Bon, à faire attention maintenant. C'est chiant que c'est que maintenant, bah... Depuis les nouvelles mises à jour, bah les camions ils se penchent vite, donc là, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est un petit peu comme le réel, hein. Si on va trop vite dans un virage avec un camion, le camion se couche. Hein. C'est un petit peu logique, mais bon, c'est un petit peu abusé, je trouve, quand même. Enfin, je sais pas trop. Hein. Après, je le dis, mais je sais pas trop. Donc, voilà, voilà. Donc là, un petit Mercedes... Enfin, ils appellent ça un Majestic, mais je sais pas pourquoi ils ont eu la licence pour tous les camions, sauf pour celui-là, donc un petit peu dommage. Peut-être dans l'Euro 3 ou Euro Truck 3, ou parce que la licence du Iveco et du Volvo, ils l'ont eu dans une mise à jour, alors peut-être là aussi, je sais pas trop. Je sais pas du tout. Donc là... On va y arriver. Enfin, on va pas arriver à la destination tout de suite, je pense. Même si je roule vite. Hop. Ça va pas être tout de suite. Je pense pas. Ça va être à la prochaine sortie, je pense. Parce que là, il y a marqué Linz. Donc, ça va être à la prochaine sortie que je tourne. Donc là il est en manche, hein, le... Oh pardon, le Iveco, hein, donc c'est le nouveau Iveco, les Iveco Highway, hein, donc je l'ai acheté, donc voilà, au début de l'épisode, tout ça. Ah bah ouais, je suis déjà arrivé, donc je sais pas si j'aurai le temps de stationner ou pas. Voilà. Donc je sais pas... Si vous entendez la musique, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai écouté la vidéo avant parce que je l'ai fait d'affilée le week-end, hein. Comme vous le savez. Après, pour les lives, j'aimerais bien en faire. Faudrait que je fasse des tests, hein, si mon ordi suit et ma connexion le permet aussi, serait possible, serait bien. Et puis, bah voilà. Hein. Oula. Bon, c'est pas grave. Oh, je sais pas ce que j'ai voulu faire là. Alors, attends. D. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Ah voilà, moi je me tape le feu. De toute façon les amis, je pense qu'il va s'arrêter là l'épisode. Non, bon, on a encore un petit peu le temps, un petit peu. Voilà, c'est bon. On peut commencer à y aller. Donc moi les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime à la vidéo, ainsi que les autres vidéos, hein, vous pouvez aller les liker, hein, n'hésitez pas. Lâchez-vous dans les commentaires. La page Facebook, donc Quaz89, espace gameplay, espace YouTube, le lien est dans la description. Et puis bah voilà.
Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Quasi 8-9 et bye bye.